Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. J'attends la réponse. On ne s'en parle des promesses par la foi et la persévérance. Il ne faut pas oublier ces deux éléments importants que nous a donné. La foi, c'est l'assurance. Alléluia. Amen. C'est la substance. Les choses qu'on espère. Et la dévotion, c'est ce qu'on ne voit pas. La persévérance, c'est le fait de continuer à demander, à prier, à remercier le Seigneur jusqu'à ce que nous voyons la chose. Amen. On ne demande pas aujourd'hui, une fois, on ne s'arrête pas. Et nous avons des exemples de persévérance dans la Bible. Nous avons vu comment, toute une nuit, pas une heure, pas deux heures, pas trois heures, mais toute une nuit, qui a lutté avec Dieu? Et toi, tu dois faire la même chose si tu as un problème. Amen. Si tu n'as pas de problème, ça c'est bien pour toi. Mais si tu as un problème qui n'est pas résolu, tu dois lutter jusqu'à ce que Dieu te réponde. On ne peut pas faire autrement, frère. Je peux vous demander, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui comprend? On ne peut pas faire autrement que ce qui est fait dans la Bible. Et puis, personne ne le fera pour toi. Personne. Ton problème, là, c'est toi seul qui vas lutter jusqu'à ce que le problème soit réglé. Je manque de pauvres. Pourquoi on ne sache pas? On sache plutôt comment lutter. On ne vient pas perdre le temps. Oubliez la religion. On vient, on chante dans l'eau et puis voilà, on a beaucoup prié. Mais tu as beaucoup prié, tu as obtenu quoi? Tu viens pour un problème qui te concerne. Quand Jacob partait chez son oncle Laban, Dieu est venu à sa rencontre. Écoutez-moi bien. Dieu lui est venu à sa rencontre. Et il a dit, si tu me protèges, que je vais, que je reviens, je vais te donner la dîme de tout. Et c'est là qu'il a vu l'échelle qui montait, qui descendait. Il dit, c'est Bethel. C'est la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est parti au retour, c'est lui qui rencontre Dieu. Dieu est fidèle. Hein? Amen. Sa fidélité est un bouclier. Amen. C'est une protection. Amen. Dieu tient promesse. Donc il vient rencontrer, peut-être il a fait combien d'années chez son oncle, peut-être qu'il l'a oublié, mais Dieu n'oublie jamais. Ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Mais toi, tu dois tenir ferme jusqu'au bout. Amen. Jacob avait peur de rencontrer son frère qui était prêt à le tuer. Mais il a fait partir toute sa famille et il est resté seul. Il faut que le chrétien soit capable d'avoir des moments de solitude avec son Dieu. Mais est-ce qu'on a prié? Mais quand on a prié le soir à la maison, au salon, toi tu es dans la chambre là. Si tu entends la voix de Dieu, prie, mets-toi à genoux. Amen. Moi j'entends souvent. Dans ton cœur, quelque chose dit, il faut prier. Il ne faut pas dire, oh, je suis trop fatigué, vais dormir. Non. Si tu entends, prie, mets-toi à genoux, prie. Amen. Prie, parce que Dieu te parle. Il y a une vieille femme, un jour, elle était couchée, et puis Dieu lui dit, veut prier pour sa nièce. Sa nièce se trouvait très loin, dans un pays étranger. Pendant qu'elle priait, là-bas, il y avait un incendie dans le pays, là, dans la maison de sa nièce. Quand elle priait, les voisins sont intervenus, on a été là. La petite fille, elle ne savait pas qu'il y avait un incendie. Elle dormait tranquillement. Elle serait morte, cassée. Le matin, elle appelle là-bas. Et la petite dit, ah, mémé, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici hier? J'ai failli mourir.
C'est à quelle heure elle a dit l'heure? Elle dit, ouais, Dieu te bénisse. Amen. À cette heure-là, Dieu m'a dit de prier. Amen. Mais nous, quand on attend, prie, on tire le drap. On dort. On ne dort pas, hein? On ne dort pas. Réveille-toi, toi qui dors. Allez, ouvre les yeux pour voir ce que Dieu fait. Ouvre les yeux pour voir ce que Dieu fait. Relève-toi. Quand on est debout, non, quand on a ouvert les yeux, on doit se relever. Est-ce qu'on a compris? Amen. On doit se relever. Et quand on s'est relevé, on doit même marcher pour le combat. Est-ce qu'on se comprend? Qui a compris? Nous sommes dans un combat. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, il nous montre le chemin. Mais on est là, ouais, les chrétiens qui sont comme ça, les bras croisés. Ils n'ont même pas un programme de jeûne et de prière. Non. Quand on dit frère, on va jeûner, ah, c'est le seul jour de repos, il me demande de jeûner. Mais tu ne jeûnes pas pour moi. Tu le jeûnes pour toi-même. Et tu dois rester à genoux jusqu'à ce que Dieu réponde à ta prière. Jusqu'à ce que le modèle. Alors, Jacob est resté à lutter avec Dieu. Pas contre Dieu. À lutter avec Dieu. Par contre, personne ne peut lutter contre Dieu. Ceux qui ont essayé, ils sont toujours morts. Sanchéri est venu insulter le Dieu d'Israël. Mais la même nuit, les soldats sur lesquels il comptait ont été tués. 185 000 soldats ont été tués. Lui, il a fui dans son pays. Il est allé dans le temple de son Dieu. Et c'est là que ses enfants l'ont tué. Bien, écoutez-moi. Hein. Vous pouvez être un grand pécheur, voler, courir, faire des... Mais ne vous attaquez pas à Dieu. Qui a bien compris ça? Lève bien la main. Ne dites jamais quelque chose de mauvais contre Dieu. Parce que là, vous péchez contre Dieu, le Saint-Esprit, personne ne peut vous défendre. Tous ceux qui ont essayé, ils ont été tués, ils ont été cassés, c'est comme ça. Ne soyons pas amers envers Dieu. Ne disons jamais, Dieu, tu m'as abandonné, tu n'es pas bon pour moi. Dieu est toujours bon pour toi. Amen. C'est bon pour toi. Amen. Amen. Alors nous avons vu à la fin que l'ange de l'Éternel a posé la question. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Ce matin, peut-être ton nom, je ne sais pas quel nom tu as. Je ne parle pas de ton nom qu'on t'a donné, hein, mais le nom, le démon qui est en toi, qui fait le mal, là, il a un nom. Qui comprend? Toi qui critiques toujours les gens, c'est un démon. Toi qui maudis tout le temps, c'est un démon. Toi qui voles, là, c'est un démon. Peut-être tu es un voleur, peut-être tu es un menteur, peut-être tu es un critiqueur. Rencontre personnellement Jésus, Père, afin que ce nom-là tombe. Quand on rencontre Dieu, le nom change. La démarche change. Moi, je ne pouvais jamais, on a dit, marcher comme avant, non, ce n'est pas possible. Quand je vois des frères, bon, je prends quand même un petit verre de vin. Tu n'as pas croisé le Seigneur encore. Le vin, là, ça va te donner un dégoût. C'est un dégoût. Moi, j'ai fumé. Mais quand j'ai croisé le Seigneur, j'ai trouvé que c'est mauvais. En 1971, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas nés en 71 ici. Si j'étais gêné par ce que je faisais. Par contre, il y a un cantique qui disait à l'église, tu vas, tu te caches pour fumer, personne ne voit, mais Dieu te voit. Il était gêné. Il ne s'adressait pas à moi. C'était un message impersonnel. Un chant. Mais moi, il était gêné. Qui me voit? Non, Dieu dévoilait, me dévoilait mon péché devant les gens. Et puis un jour, en 1971, je me suis mis à gêner, Seigneur, délivre-moi du tabac. C'est terminé. Amen. Qui t'amène pour moi? Amen.
Dites amen pour vous. Amen. Dieu va vous délivrer de ce qui a dominé, ce qui domine sur toi, il va enlever. Le jeune frère a prié, il dit, nous ne voulons plus nous laisser dominer par le péché. Lève-toi, frère. C'est toi qui as prié. C'est très bien. Nous, on doit dominer sur le péché. Amen. Le péché, c'est que dans ta porte, domine. Ce n'est pas le péché qui a dominé. Mais tu vois une femme nue. Si tu ne veux pas la couvrir, sauve-toi. Amen. Un garçon qui est en train de... Il faut fuir. Il faut fuir le péché. Fuyons l'impudicité. Il n'y a pas d'excuse, frère. Moi, il n'y a pas d'excuse. Il ne voit pas d'excuse. Quand il me poussait, il dit, hein, il va aller voir un enfant confesser. Chérie, si vous allez si tomber avec une femme, non, ça, je ne vois pas ça. Il n'y a pas d'excuse. C'est quoi tu aimes là? Dieu ne veut pas t'enlever ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend ici? C'est quoi toi tu aimes là? Dieu ne veut pas enlever. Mais si tu aimes la chose, alors Dieu enlève. Tu ne veux pas être un frère et puis aller chez les femmes au dehors. C'est grave parce que peut-être il y en a qui pensent, frère, qu'il n'y a rien d'autre dans la Bible que l'adultère, mais c'est la chose la plus grave. Parce que Ève a été séduite, elle s'est rendue coupable d'adultère avec le serpent ancien. Et depuis ce temps, nous mourons. Toi qui cherches les femmes, là, tu es mort déjà. Tu es mort, hein? Mais si tu vis, tu dis, tu t'en fous. Mais un jour, tu vas voir. Un jour, tu verras. Il est écrit que ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Le péché atteint qui? Le péché, ce n'est pas moi. Moi, si je pêche, c'est moi qui vais atteindre. Toi, tu pêches, on te parle, tes oreilles sont dures là. Un jour, mes frères, et depuis un moment, je vais à la scène tous les jours, tout le temps. Et puis, mes cheveux s'enlèvent, je dis, ah, ton péché t'a atteint. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais très bien aujourd'hui, à Sida, il n'y a pas de. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement de Sida. Qui a trouvé un traitement? Qui a entendu parler d'un traitement du sida? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis toi, tu vas aller une seule fois avec une prostituée, tu vas avoir le sida. Une seule fois. Alors, par contre, tu es un fils de Dieu et il va te traiter durement. Il n'a pas de produits, médicaments. Là, on va prier, tu vas mourir. On va aller chanter, notre frère. C'est bien aimé frère, mais tu es mort quand même, jeune. Tu es mort jeune. Tu es mort jeune, hein? Dieu délivre de la fornication. Dieu délivre la prostitution. Dieu délivre tout. J'ai oublié une chose, c'est important pour vous, hein? Parce qu'il y en a qui sont, quand on prêche, ils disent, oh, comme les vieux. Non. Joseph avait quel âge? C'était un jeune homme. Mais il a fui la femme de Potiphar. Amen. Toi aussi fuis. Fuis la prostituée. Une prostituée, ce n'est pas celle qui a un rideau. Hein. Une femme infidèle à son mari, c'est une prostituée. Parce qu'une femme est réservée uniquement à un seul homme. Amen. Un seul homme, c'est son mari. Qui a compris ce que je dis ici, les femmes? Non, je voudrais lever bien la main. Excusez-moi, hein, lever bien la main. Tu comprends français? Lève la main. Une femme, là, elle est pour son mari seule. Amen. S'il y a une grosse enveloppe à gauche, à droite, ce n'est pas pour toi. Et puis quelqu'un qui vient jouer avec toi, il faut lui dire, ah, monsieur, il faut arrêter ça. On ne rit pas avec ça, parce qu'il va t'entraîner la mort. Non seulement tu vas mourir ici, mais tu vas mourir là-bas aussi. Les adultères, là, ils n'ont pas de place au ciel. Il ne faut pas dire, c'est lui qui a fait. Toi aussi, tu as accepté. Oh, c'est lui. Quand il suit là, c'est bon. Il vient seulement, il vient. Non, mais il vient. Et regardez un peu, écoutez-moi les sœurs.
Dans Lévitique, il est écrit que si une femme est allée quelque part et puis quelqu'un vient la violer, si elle n'a pas crié, elle est coupable. Mais si elle s'est débattue, elle a crié jusqu'à ce que le monsieur la viole, elle n'est pas coupable. Elle a fait ce qu'elle dit, il n'y a personne pour répondre. Maintenant, ce n'est pas le cas des gens qui vont s'arranger, allons, hein, tu vois, on va aller, il va crier. Et puis, non, Dieu connaît ton cœur. Hein, on va aller, il va crier un peu, et puis voilà, c'est, ça vous fait rire. Ne pas crier. Toi, on te surprend, tu cries, tu ne cèdes pas, jamais. Tu ne cèdes pas. Comprenez mes instructions des femmes. On ne joue pas, vous êtes une personne qui doit être respectée. Quand une soeur me dit, pardon, une femme, frère, je n'ai pas fui, c'est pas vrai, pas vrai, tu es une menteuse. Nous, on a des, moi, je suis marié. Qui est marié ici? Il y a qui tu n'es pas marié? Voilà. Mais si votre femme n'est pas d'accord, vous pouvez aller avec elle? Vous pouvez aller avec elle? Si elle n'est pas d'accord, vous voulez aller la violer. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut l'accord de la femme ou deux. Vous avez compris, non? De la même manière qu'une femme n'est pas d'accord, on ne peut pas aller avec elle. Donc, on ne peut pas dire, bon, mais hein, j'ai tout fait, viens la chercher, ce n'est pas vrai. Dis-moi, tu as accepté. Tu as accepté, hein? Oh, l'adultère, c'est un vol. L'adultère, c'est un vol. Et c'est quoi, il a écrit dans Hébreux chapitre 13. On va le lire. Ouais, tout à l'heure, on va prier encore. Hein. On va prier parce qu'on est venu pour prier. Mais Jésus, ceux qui ne prient pas, quand on dit de prier, prier. Il ne faut pas rester pour écouter les autres. Je vais vous laisser, vous allez prier tout à l'heure. Quand on dit de prier, il faut prier. Il ne faut pas attendre la fin de la prière. On aura fini. Si on finit, on s'en va à la maison. Amen. On est venu pour prier, on doit prier. Hébreux 13. Allons-y. On va dire verset 1er. Mon frère Jean-François, Jean-Pierre, allons-y. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Est-ce que c'est ça? C'est 4, oui. Que le mariage soit honoré de tous. Oui, est-ce que vous comprenez? Sœur, que le mariage soit honoré de tous. Quand tu es marié là, tu dois te respecter et puis les autres vont te respecter. Amen. On ne joue plus comme avant. Et ça, pourquoi les frères ne font pas ça, on ne prend pas les soeurs, et ça on tape, non. Une soeur, ce n'est pas ta femme. Ta femme, c'est ta femme. Mais pas une autre soeur, qu'elle soit mariée, soit pas mariée, elle n'est pas ta femme. Qui a compris? On va pécher, si tu joues avec les soeurs, là tu pêches. Le péché le plus grave qui a commencé à... Ce qui a mis le monde dans le chaos, c'est l'adultère. Amen. Vous qui ne savez pas ça, je vous le répète. Amen. Le serpent, là, Satan est passé dans le serpent pour chercher la femme d'Adam. Amen. Et puis quand on a demandé, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, c'est le serpent. C'est faux. Elle a accepté. Et c'est pour ça que la femme ne doit pas prêcher. Amen. Tu as bien compris? Si toi tu es venu à notre réunion de prière, tu ne dois pas prêcher. J'ai vu des femmes là-bas, elles sont en train de prêcher. Elle dit, mais ce n'est pas ta place, ma soeur. Allez, Bible. Non, c'est pas la parole. Tu ne dois pas prêcher. C'est pas ta place. Aide ton mari, aide tes enfants, et puis soumets-toi à tes enfants, à ton mari. Tu es sauvé déjà. La prédication est réservée aux hommes. Amen. Continuons. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lit là, c'est pour la femme, c'est pour l'homme et sa femme et tout. Amen. Ce qu'on fait au doigt, c'est la souillure. Mais si tu vas chercher une femme, tu vas coucher avec elle, puis tu vas te coucher sur un lit, tu souilles le lit. Hein, frère, moi, c'est à l'hôtel. Tu souilles le lit. Il y a un lit conjugal. Oui? Que Dieu te bénisse. De toute façon, je vais bouger. Il y a un lieu conjugal qui est réservé pour les époux. Ce n'est pas pour les concubins.
Non. Gloire à Dieu. Amen. Ce lit-là, il doit être sanctifié, propre. Personne ne doit dormir là-dessus, ce n'est pas l'épouse et son épouse, c'est tout. C'est quoi l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. De peur que Satan ne vous tente. De peur que Satan, comme il a fait avec Ève. Bien-aimé, faisons attention au Seigneur. Considérons la parole de Dieu comme des ordres. Quand Dieu parle, il donne des ordres. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous ne nous amusons pas avec l'adultère, la fornication, la masturbation. Voilà un autre péché. Des jeunes gens, des jeunes femmes qui se masturbent. Ce n'est pas bon, c'est le diable qui fait la même chose. Amen. Vous n'êtes pas pur. Vous n'êtes pas pur. Si vous masturbez, vous n'êtes pas pur. On doit des vierges pures. Alléluia. Amen. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Les débauchés, écoutez-moi bien, ce sont les hommes et les femmes qui cherchent des garçons et des femmes en dehors du mariage. Mais ici, ce n'est pas des femmes de quelqu'un. Qui a compris? Comment t'appelles? Donne-moi ton nom. Jean-Pierre, là. Jean-Pierre, t'as compris? Ah, t'es très jeune, là. T'es marié? Non. Bon. Si une camarade d'école, un étudiant, oh, Jean-Pierre, toi, t'es mon pote. Toi, tu as compris? Toi, mais tu m'accroches. Comment t'appelles? Ton numéro est accrocheur. Donne-moi ton nom. Jean-Pierre, là. Jean-Pierre, t'as compris? Ah, t'es très jeune, là. T'es marié? Non. Bon. Si. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il faut lire ma camarade, on est camarade, on est étudiant, mais tu n'es pas ma femme. Tu n'es pas ma femme, hein? Il faut lire rien de moi, Satan. Oh, c'est Satan en cette femme qui veut te tuer. Rien de moi, Satan. Moi, je sais que les femmes font des avances, les mauvaises femmes. Moi, on en a fait plusieurs fois. À l'étranger, comme en Côte d'Ivoire ici. Mais il ne faut jamais laisser. Tu laisses un ongle au diable, il prend tout ton bras. Amen. Dès que ça commence, il dit non, arrête-toi, madame. Amen. Tu es une mauvaise femme. Ça vous fait peur ce que je suis en train de dire. Je l'ai fait. Hein. À une femme, on était au Burkina. D'abord, c'était à Porto-Novo. Où elle m'a dit que je suis le coq. Je les ai reprises devant tout le monde. Amen. Vos coqs sont mariés. Et puis, ce sont des femmes évangéliques. Évangéliques. Au Burkina encore, en 94, l'autre affaire, je l'ai reprise. Elle dit que mon mari m'a dit qu'il n'y a pas un seul homme qui cherche une seule femme. Elle dit, madame, est-ce que ton mari est converti? Elle dit, il faut aller lui dire que tu as tué un homme. Depuis, son mari n'a cherché qu'une seule femme, c'est sa femme. Amen. Elle dit, qui dit, c'est moi. Dis à ton mari qu'il n'est pas converti. On était deux, hein. Non, tu étais frère, elle met son pain sur le. Oui, viens, elle pas devant moi. Elle s'appelle madame. Madame. En 94, j'étais encore très jeune. Elle voulait me tuer, cette femme-là. Et puis, quand elle est partie, elle m'a écrit pour me donner pardon. Amen. Elle m'a écrit pour me donner pardon. La vérité, ça fait mal aux yeux. Hein? Ça ne les casse pas. Les jeunes gens là, ne cédez pas. Amen. Aux tentations du diable. Amen. Le diable vient sous forme d'une belle femme, bon parfum. Elle va t'accueillir même, monsieur. Si tu n'as pas d'argent, elle t'accueille, elle prend soin de toi, on achète des choses. C'est que tu es tombé. Tombé. Tu es tombé, hein? Tu es tombé dans le pied du diable. Ne donne pas de sommeil à tes yeux jusqu'à ce que tu sortes de là. Amen. Parce que le diable, il ne donne rien cadeau. Hein? Rien. Et qu'on a bien compris. Amen. Les adultères, là. Les impudiques. Mes enfants, regardez un peu, regardez ici. L'impudicité, c'est quand tu vas chercher une femme au dehors, un garçon au dehors, même si ce n'est pas le mari de quelqu'un,
C'est ça. Hein? Toi, tu es chez une femme dehors. Tu cherches un garçon dehors. Ce n'est pas le mari de quelqu'un, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'implicité. Et c'est Dieu qui va te juger lui-même. Il va te juger, il va te condamner. Quand on prend, et regarde un peu, prends à la fin de la Bible. Prends à la fin de la Bible. Apocalypse 22. Apocalypse 22. À partir du verset 6 d'abord. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Est-ce que vous avez compris? La parole de Dieu, elle est certaine, elle est sûre. Elle est vérifiée. C'est une parole avérée. C'est une parole éprouvée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est sans faute. Elle est efficace. Elle ne sépare pas des sentiments. Elle est certaine. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que Dieu a dit des prostituées, des débauchés, il va les juger, il va les juger. Mais ce matin, après ce midi, si tu es encore dans ces choses-là, tu cherches les garçons, tu cherches les femmes, il faut aller régler ça maintenant. Qui a accompli cela? Va régler ça maintenant. Il ne faut pas venir à l'église t'asseoir. Tu es sur la mauvaise voie, tu es perdu. Tu vas à l'enfer. Tu es en train d'aller à l'enfer. Tu es sur la voie de la perdition. Va dire à cette femme ou à cet homme, mon ami, on arrête ça. Amen. On arrête maintenant. On arrête ça, c'est fini. Je veux plus de ton argent. Ne paye plus ma maison. Ne me donne plus rien, rien, je veux plus. Amen. C'est de l'argent pourri, corrompu, gâté. Tu as compris? Faut pas jouer à sa vie. Amen. Qui a deux vies ici? Les soeurs d'abord. Qui parmi vous a deux vies? Qui a deux vies? Vous n'en avez pas deux. Donc celle que Dieu nous a donnée, il faut la respecter. Il ne faut pas dire que lui, il prêche, il prêche les femmes. Ce n'est pas ton problème. Il prêche les femmes, il va aller en enfer. Il n'y a pas un endroit pour ceux qui prêchent, qui prêchent les femmes. Tu prêches, tu prêches les femmes, tu vas aller en enfer, c'est sûr. Il n'y a rien à faire. Et qu'on se comprend? Amen. Donc, regardez que il y en a qui disent, mais les frères ne prêchent que sur la terre. Mais c'est le péché le plus grave qui a tué le monde. Amen. Dieu a créé l'homme qui vit éternellement. Il dit, si tu manges ce fruit-là, tu vas mourir. Et il a mangé, il est mort. Aucun homme n'a vécu un jour. Aucun. Le jour où tu as mangé, tu mourras. C'est ce qu'est le fruit. C'est la terre. Le serpent est venu chercher la femme d'Adam. Adam a accepté aussi d'aller avec elle. Et deux enfants sont nés. Des jumeaux. Mais des pères différents. Aujourd'hui, il y a ces deux races. Ces deux lignées. Et dans Genèse chapitre 6, on a vu qu'il y a la confusion des deux. Et Dieu a dit, puisqu'il a fait confusion, je vais détruire le monde. Cette confusion est créée par quoi? C'est créé par l'envie. L'envie sexuelle. Vous qui êtes là, encore vos yeux sont là. Elle est jolie, hein? Elle est jolie. Jolie, ça veut rien dire. Jolie, ça veut rien dire. Hein? Jolie, là, ça veut rien dire. Jolie, là. L'aurore et la beauté sont que vanité. Moi, je suis allé au moins deux fois à Tresville, je ne sais pas s'il y a un médecin encore ici, dans la cellule des gens qui ont le sida. Comment on appelle ça? Mais vous allez voir de ces belles filles. On met un trou sur le matelas. Et puis on met un seau en bas. Vous êtes à quelques mètres, vous sentez l'odeur. L'odeur, c'est ce qui était beau là. Si le service existe encore, allez voir. Vous allez rester tranquille. On ne va plus entendre frère, je suis tombé. Frère, elle m'a fait tomber. Frère, je suis tombé avec un païen. C'est toi la païenne. C'est toi la païenne.
Ici, ils sont là pour nous préparer pour entrer dans la gloire. Si tu peux encore aller courir derrière les femmes, les garçons, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas de nouveau. Il ne faut pas venir grossir l'église. L'église n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin de toi. Et le frère Franck a dit la dernière fois, je ne veux pas avoir prêché à des vierges folles. Elles resteront devant une porte fermée. Moi, je veux être à l'intérieur. Amen. Amen. Je ne veux pas rester dans le monde. Vous pensez qu'il vient prier ici comme ça, puis il vient rester. Non, non, jamais. Je vais être à l'intérieur. Amen. Et j'aurai mes 18 ans. Amen. Il reviendra au jour de sa jeunesse et sa chair aura plus de fraîcheur qu'au premier temps. Est-ce que vous entendez? Les belles filles que vous voyez qui vous attirent, allez voir au service des infestieux. Vous allez voir, vous n'allez pas passer une heure, vous allez vomir. Pourquoi être attiré par ce qui fait vomir? Pourquoi? 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 Jean-Pierre, la belle fille que tu vois qui t'attire là, elle fait vomir. Elle fait vomir. Elle tombe dans un cadavre. C'est pourquoi le Ecclésiaste chapitre 12 dit, la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. C'est-à-dire les choses sans valeur. L'aurore, là, c'est quand le jour commence. Ça dure quelques temps et puis le soleil commence à briller. Mais la jeunesse, c'est combien de temps? Tout à l'heure, on est allé voir quelqu'un. Une soeur qui a perdu sa mère, la fille d'une soeur Gracia. Et puis on a attrapé ma femme pour l'aider. Elle dit, ah, mais moi, je courais avant. On courait dans la savane d'eau, là. On avait à peine, moi j'avais 19 ans, elle avait 17 ans. Quoi. On courait, on se poussait. Si on avait filmé, on allait voir et puis rire. Aujourd'hui, on se lève difficilement. On doit nous prendre. Où est l'orgueil? Où est le sujet d'orgueil, frère? Orgueil, voici ta faim. C'est quand tu es couché là, inerte. Tous ont peur de toi. On dit, bon, toi, comme c'est ta femme, comme tu es vous allez rester dans la chambre. Il dit, non, moi, je vais rester au dehors aussi. Mais pendant, il viendra. Hein, ta belle femme, elle est couchée sur le lit. On dit, reste là-bas. Il dit, non, moi, je vais rester au dehors. Pourquoi? C'est ta femme, hein? Elle est devenue cadavre. On a peur des revenants. Mais pourquoi, aujourd'hui, tu ne l'as attiré pas ce qui va sentir mauvais, ce qui va te... Pourquoi? Nous devons réfléchir. Hein. Le chaos a été jeté dans le monde par l'adultère. Et à la fin, ces paroles sont certaines et véritables. Il n'y a de paroles certaines et véritables que les paroles de Dieu. Amen. Qu'une autre parole? Qu'une? Ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Amen. Qui est certain? Qui est certain que c'est véritable? Amen. Il faut l'accepter maintenant. Et vous l'acceptez afin qu'elle te transforme. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformation. Amen. Amen. Alléluia. Elle a le pouvoir de transformation. Elle sépare, la Bible dit qu'elle est efficace. Elle sépare les sentiments. Elle sépare la moelle opinière, la moelle épinière. Elle est efficace. Les bons, elle sépare. Quand on l'accepte, elle nous transforme. Amen. Si vous voyez que les gens encore vivotent, c'est pas, ils sont les religieux, ils font comme tout le monde, on va à l'église, on vient. Non! Dieu veut sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Il a dit qu'elle va te transformer, elle va te transformer. Amen. 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 Ah, lisons, frère. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Qui le croit? Crois-le et elle te sera révélée. Amen. Qui a détruit cette portion de l'application de Frère Franck? Si tu la crois, elle te sera révélée. Je répète ça. Si tu crois la parole de Dieu, elle te sera révélée. Qui comprend ça? Vous ne comprenez pas. Hein? Amen. Ça veut dire si tu crois ce qui est dit là, la parole de Dieu, Dieu va t'expliquer cela. Amen. Il va t'aider à la mettre en pratique. Amen. Voilà, la parole n'est pas oui, amen. Hein? Elle n'est que oui. Oui, oui, oui.
Elle n'a pas oui et non pour eux. Elle est oui et amen. 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 Continuons. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Donc, qui a parlé au travers des prophètes? Dieu vous bénisse. Qui a dit Dieu même? Dieu vous bénisse. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Amen. C'est lui-même qui a parlé au travers des prophètes. Et c'est lui-même qui parle encore au travers des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Amen. Mais les paroles qu'il apporte sont des paroles certaines et véritables. Sûres. Sûres. Si tu l'acceptes, alors elle te transforme, elle te guérit. Amen. Elle te guérit. Amen. Elle te guérit parce que Dieu a envoyé sa parole. Elle est guérie. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui sait ce qui doit arriver bientôt? Moi, je sais. Bientôt sera l'enlèvement. Amen. Après l'enlèvement, il y aura les noces de l'agneau. Après l'enlèvement, il y aura le millénium. Après le millénium, il va y avoir la grande bataille, la Magédon. Et puis après, ce sera le jugement dernier. Amen. Ce que tout le monde sait, toutes les églises parlent du jugement dernier. Le jugement du trône blanc, nous ne passerons pas là-bas. Mais là aussi, il y aura des gens qui seront sauvés. Ceux qui, malgré le rejet de la parole levée, ont cru en Jésus-Christ, ils ont entré dans la vie éternelle. Mais pas dans le même rang que nous. Nous sommes privilégiés. Amen. On va d'abord, après l'enlèvement, il y a les noces d'agneau. Après, il y a les 1000 ans. Et puis après, il y a l'éternité. Après, le jugement du trône blanc. Ils seront assis sur le trône avec le Seigneur. Ces paroles sont? Non, je vous demande. On va répéter. Ces paroles sont? Certaines et véritables. Qui veut répéter? Qui veut répéter? Ma soeur Béatrice. Ces paroles sont certaines et véritables. Ça doit rester dans ta tête tout le temps, dans ton cœur. Et rien ne doit venir briser ces paroles-là. La parole de Dieu ne se brise pas. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Et l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, c'est pas une mission. C'est le corps du Christ. Il n'y a pas de mensonge dans l'Église. Par contre, l'Église elle-même, et c'est l'appui. Hein, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Tu ne veux pas t'asseoir là, sachant que cette parole est véritable, et puis tu ne la vis pas. Demande au Seigneur, révèle-moi ta parole, rends-moi capable de la mettre en pratique. Il va le faire. Et puis chaque fois, tes progrès seront évidents. Tes progrès seront évidents. Allez, toi-même, tu vas voir que tu progresses. Avant, on ne pouvait pas marcher sur son pied. Aujourd'hui, on peut écraser ton pied, c'est... Tu acceptes. Et puis tu pries pour lui. Et quand il bosse sur le pied, il dit, je m'en fous, il dit, mon frère, que Dieu te pardonne. Il donne encore Dieu. Allez, fous-moi la paix. Il dit, Dieu te bénisse. Nous devons arriver là. Amen. À la statue parfaite du Christ. Amen. Bien-aimés, sachons que ces paroles sont certaines. Retenez ça. Rien ne doit venir ôter ces paroles certaines et véritables au cœur. Rien. 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 Amen. Amen. Romains chapitre 9, verset. On va revenir ici. Romains 9, verset 28. C'est un corollaire. Romains 9, 28. Ouais. Attendez que tout le monde soit là. Allons-y, mon frère. Romains 9, 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Il y en a qui n'ont pas compris. Il dit amen. Tout ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va le faire. Tout ce qui te concerne, toutes les promesses vont s'accomplir. Amen. En toi. Amen. Le retour de Christ va avoir lieu. La grande tribulation va avoir lieu. Le millénaire va avoir lieu.
Le jugement dernier va avoir lieu. Amen. La bête et le faux prophète vont être jetés dans les temps de feu pour des milliards d'années. Ça va avoir lieu. Et puis cette ville, cette ville qui n'a pas besoin d'éclairage, parce que l'agneau lui-même va l'éclairer, aura aussi lieu. Amen. Nous serons là-bas. Amen. Pour toujours. Amen. Pour toujours. Mais retenons que rien d'impur, rien de souillé ne peut y entrer. Amen. Qui a compris? Rien de souillé n'entrera là-bas. Rien de souillé. Rien de souillé. C'est pourquoi nous nous purifions actuellement. C'est pourquoi il est temps que toi et moi, nous puissions prendre du temps devant le Seigneur. Lui demander de nous aider, de nous être capable de vivre sa parole. Parce que le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Amen. Qui est heureux? Amen. Moi, je suis heureux. Parce que cette terre-là n'est pas un lieu de repos. Michée, chapitre combien? 2, 10. Lévons-nous et marchons, car ici n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il y aura de douleurs, de grandes douleurs. Moi, je ne veux pas rester ici. Je veux partir. Et c'est après nous qu'il y aura les douleurs. Les traités de paix vont être signés en même temps que l'enlèvement. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ici n'est pas un lieu de repos. Tu as compris? Vous allez au cimetière, on dit, repose en paix. Des voyous, ils ne sont jamais repentis. On était un autre jour quelque part, et puis le prêtre dit, bon, Seigneur, souviens-toi du peu de bien qu'il a fait. Non, ce n'est pas un problème de bien qu'il a fait. C'est le premier d'Azar, c'était Jésus-Christ le bien. C'est lui notre seul bien. Oh Seigneur, souviens-toi de, comme c'est un homme, et puis, qui pourra susciter si tu tiens compte de péché? Mais celui qui subsiste, c'est celui qui a Christ en lui. Amen. Lui, il ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. Amen. Il n'y a pas de... Bon, il faut lui faire grâce, le peu de bien qu'il a fait là. Il faut t'en tenir compte. Allez, en même temps, on tend une cuvette. Donnez l'argent, on va prier pour lui. Regardez-moi. Et vous croyez à ça? Oui, ne croyez pas à ça. On entend qu'il va mener de l'argent dedans, parce qu'on va prier pour son âme. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, au jour de notre mort. Ouh! Ton baptême. Ton baptême, ça sert à quoi? Le Seigneur a dit, c'est lui qui croit en moi. Qu'est-ce qu'il a? Il a la vie éternelle. Amen. Ben, il a déjà la vie éternelle. Aujourd'hui, quand on prie pour toi, quand tu es mort, on prie pas pour toi, quand tu es mort, tu as la vie éternelle. Tu as bien compris? Amen. On n'a pas besoin de prière, de requiem, on n'a pas besoin de ça. Non. Et les autres qui vont mourir accidentellement dans la mer, ceux qui vont dans les pays européens et puis qui meurent, écoute-moi bien. Ceux qui montent dans les embarcations de fortune, et puis il meurt en mer. Qui prie pour eux? Qui prie pour eux? Mais si parmi eux, il y a des chrétiens, le jour que le Seigneur va venir, ils vont ressusciter. Amen. C'est un gage, c'est une garantie. Amen. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est le gage de notre résurrection. Amen. On n'a pas besoin de prier pour moi. Je n'en ai pas besoin. Tes parents n'ont rien à manger et tu as de l'argent à quelqu'un. Et puis, on fait la quête, après on dit, c'est pas beaucoup. Oh, c'est un fonds de commerce, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, si tu crois aujourd'hui, tu es sauvé. Amen. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Voilà le problème. Hein. C'est aujourd'hui que tu as bien sauvé. Si ton cœur est dur, maintenant on va prendre un beau cercueil, on va faire les faits part. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la cour et gagné la foi. On a du respect pour eux. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Le bon combat, c'est maintenant qu'on le combat. Amen. C'est pas après la mort.
Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et que tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé pour toujours. Amen. C'est pas beau, c'est pas après demain. Et vous avez compris. Amen. J'ai parlé un peu de la mauvaise immoralité sexuelle. Sortez de là. Amen. Pas des films pornographiques. Amen. Pas des films pornographiques. Ça sous votre pensée. Et puis au moins, mais, comment dirais-je? Frère, quand je dors, il y a un mari de nuit. Mais mari de nuit, c'est celui que tu vois à la télévision. Les femmes nues, les garçons nus, et puis tu captes tout ça. Mais à la fin, tu vas prendre un mauvais esprit. On a compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre, c'est qu'il a résolu. Retenez ça aussi. Je demande à tout le monde, retenez ce passage-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser, il y a des moments où on est découragé. On dit, il va faire ce qu'il a dit. Amen. De la même manière qu'au temps de Noé. Au temps de Noé, la pluie n'était jamais tombée. Mais elle est tombée quand même. Amen. Aujourd'hui, le monde actuel est réservé au feu. Hein? Le monde actuel est réservé au feu. Et ça va se produire. Donc, quand le Seigneur exécutera le problème, c'est qu'il l'a résolu. Regardez ici. Tout ce, que vous avez, tout ce que vous avez déjà entendu depuis que vous êtes là, tout ce qu'on vous a dit, le Seigneur va l'exécuter. Amen. Pleinement et promptement. Amen. Sur la terre. Non, ne pensons pas que si nous faisons fi de la parole de Dieu, nous sommes quittes. Non. L'apôtre Paul dit, celui qui rejette ses principes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui nous a aussi donné son esprit. Amen. Tu ne rejettes pas un homme. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Paul. Mais si tu rejettes ce que Dieu dit, tu rejettes Dieu. Et si tu rejettes Dieu, il ne te reste que le jugement. Or, celui qui a Dieu avec lui, la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde. Par contre, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. C'est ce que nous croyons. Nous ne croyons pas qu'après la mort, on vienne prier pour moi. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Si tu crois aujourd'hui, tu es sauvé. Et Dieu ne va pas te sauver pour aujourd'hui, puis tu perds demain. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous continuons. Retenez ce passage, Romains 9, 28. La semaine prochaine, si Dieu me permet d'être là, je vais vous poser la question. Hein. Il y a deux passages que j'ai fait retenir. Le premier, c'est quoi? Ces paroles sont. Ça veut dire que ma soeur, mon frère, depuis que tu entends la parole de Dieu, ce que tu entends là, c'est vrai. Amen. Et puis c'est véritable. Il n'y a rien de faux dedans. Amen. Donc le Seigneur lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin et la vérité, la vie. Amen. Donc sa parole aussi, la vérité. Amen. Il n'y a rien de faux. Retiens cela. Maintenant, ne te trompe pas. Regardez ici. Regardez ici, je vous en prie. Ne dites pas en toi, mais oh, c'est quoi on dit le ciel là? Qui est allé et qui est revenu? Mais au temps de Noël, qui a vu la pluie avant? Hein? Personne. Mais la pluie est tombée. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu accomplit la chose. Amen. C'est ça que nous devons retenir. Amen. Que on croit pas, mais Dieu va faire. Et le Seigneur a dit, heureux. Ceux qui ont vu, ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que quand Thomas a vu Jésus, il a dit, quand il n'était pas là, quand Jésus est venu, il dit, moi Thomas, je ne peux pas croire ça. Moi, je l'ai vu mourir, on l'a enterré, on a percé ses côtes pour vous dire qu'il est ressuscité. Si moi, je ne le vois pas, je ne mets pas mon doigt dans le trou des clous, je ne peux pas croire. Il y a encore des Thomas parmi nous. Alors que la parole de Dieu, elle est certaine et véritable, digne d'être crue. Il faut croire. Amen. Si tu la crois, elle te sera révélée. C'est-à-dire Dieu va expliquer pour toi. Amen. Alors un autre jour, pendant que la porte était fermée, le Seigneur se présenta et dit, Thomas, viens. Mets, ouais, mon côté percé. Mets ta main dedans. Amen. Viens, mets ta main. Et dit, mon Seigneur et mon Dieu.
Mais dis-le avant. C'est maintenant que tu n'as pas encore vu. Tu dois dire, mon Seigneur, mon Dieu. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Heureux ceux qui croient toujours sans avoir vu. Amen. Parce qu'un jour, ils passeront de la foi à la vue. Amen. Tu comprends? Amen. Un jour, ils passeront de la foi à la vue. Amen. Les problèmes actuels seront résolus ici parmi nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous voyons les choses qui vont arriver. Elles vont arriver. Hein? Parce que Dieu va accomplir pleinement et promptement ce qu'il a reçu sur la terre. Amen. Avec toi ou sans toi. Amen. Nous continuons. Deutéronome. Oui. Deutéronome 9. Deutéronome 9, verset 1. Non. On va finir avec Apocalypse chapitre 12, 22. Après 22, verset 12. Après 22, Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Arrête ça là. Qui a bien compris? Le Seigneur a dit, il va venir. Il va payer chacun de nous. Ça aussi c'est vrai. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Et l'apôtre Paul en parle. Il dit que nous, il faut que nous passions par le tribunal de Christ pour que chacun reçoive ce qu'il a fait dans son corps, en bien ou en mal. Et pour cela, il jetait du mal encore pour le maintenir assujetti, pour que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Nous continuons. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Comment ils lavent leurs robes? En écoutant la parole de Dieu, en la pratiquant. En écoutant la parole de Dieu, elle nous lave. Elle nous lave. Amen. Mais nous devons être dociles. Nous laisser laver. Amen. Je vais vous donner l'exemple de cette femme qui a envoyé son fils chercher de l'eau avec un panier complètement sale. L'enfant est parti depuis le matin, le soir, il vient, il pleure. Il dit, maman, je n'ai pas pu prendre de l'eau avec le panier. C'est un enfant, lui croit que comme sa mère a parlé, c'est donc on peut prendre de l'eau avec un panier. Sa mère dit, il savait très bien que tu ne pouvais pas prendre de l'eau avec du panier. Ah, maman, pourquoi tu m'as envoyé le panier, là? Il dit, mais le matin que tu parlais, le panier était comment? C'était très sale. Maintenant, regarde. Très propre. C'est l'œuvre, la parole de le cœur de l'homme. Amen. Il te purifie. Toi, insensiblement, hein, tu ne sais pas que Dieu fait quelque chose. Hein? Mais continue. Amen. De progresser. Amen. Continue. Tu vas voir. Amen. Continue. Amen. Laisse-toi laver. Tu as bien compris? Amen. Le diable vient et dit, mais toi, tu ne vois rien. Depuis que tu es là, tu ne fais pas des grandes choses. Les grandes choses commencent par des petites choses. Amen. Tu as compris? Amen. Les grandes choses commencent par des petites choses. Crois d'abord ce qui est écrit. Amen. Vous avez vu? Quand on monte une côte, vous montez doucement, et puis vous arrivez au sommet, vous regardez en bas. Ah, c'est moi qui ai pu monter comme ça? Et c'est toi? Et vous allez voir un camarade qui est assis, il regarde en haut, il dit, ah, Isaac, moi, il ne veut pas, c'est trop haut. Il va rester là. Pour grimper une corde, on n'a pas besoin d'avoir des longs pieds. Et on a besoin de peut-être 50 cm de pas. Un pas après l'autre. Amen. C'est quoi Dieu nous a donné deux pieds? Un pas après l'autre nous approche du sommet. Amen. Et le dernier pas va nous introduire dans la gloire. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Moi, je suis d'accord. Amen. Donc, vous voyez que cette femme a donné une leçon à son fils, à nous. Peut-être que tu ne vois pas ce que Dieu fait. Quelqu'un a dit à Frère Branham, comment il peut croire que j'ai reçu cet esprit? Je n'ai pas parlé en langue. Il lui a dit, mais ce n'est pas ça, parler en langue. Mais les démons parlent en langue. Mais regarde ta vie. Amen.
ce qu'elle était avant et ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. C'est écrit, hein. Regarde ce que tu étais avant, ce que tu es devenu aujourd'hui. Ça veut dire que cet esprit a travaillé. Il t'a nettoyé. Et puis un jour, il t'a habité pleinement. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que quand il parle de la justification, c'est quand on croit, on est justifié. Amen. Maintenant, il va te sanctifier. Et il va t'habiter. Amen. Et il prend l'exemple d'un verre. Un beau verre que tu aimes. Et ce verre-là est tombé dans un poulailler sale. Mais c'est ton verre. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu le regardes, tu as vu le front, mais quand tu mets ta main dedans, il y a tous les instants. C'est sale. Mais comme tu aimes ton verre, tu mets ta main dedans, tu prends. Amen. Le fait de prendre le verre, tu l'as justifié. Amen. 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 Ça veut dire que le verre n'est pas sale à tes yeux. Tu as compris? Amen. Il a été livré pour nos péchés. Tous nos péchés. Toutes nos offenses. Donc, aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. Amen. Il est ressuscité pour notre justification. Amen. Donc, tu n'as jamais péché. Amen. Amen. Maintenant, il prend le verre, il va le laver. C'est la sanctification. Amen. Il va sanctifier le verre. Il va mettre tous les antiseptiques et tous les comment on appelle ça? Tous les produits. Les impuretés. Tous les produits qui détruisent les microbes. Amen. C'est ce qu'il fait souvent avec nous. Et puis un jour, il regarde le verre, il prend, et puis il met de l'eau dedans, il boit. Ce verre qui sort d'un poulailler. Toi, tu es sorti d'où? Je ne sais pas. Moi, je sais d'où je suis sorti. Moi, aujourd'hui, j'ai dit merci au Seigneur. Avant-hier, on était avec un serviteur de Dieu, l'un de mes amis, un ami, vraiment. Vous le connaissez, je ne vous le dis pas. Et lui, quand il est venu au Seigneur, il n'a jamais pensé à pécher. On était très heureux. Ses deux pieds étaient dans un canadien de fétiche quand il a reçu le message. Mais Dieu, aujourd'hui, proclame ses décrets. Rassemble mon peuple pour que je lui parle. Est-ce que nous faisons? Ça, c'est Psaume 2, verset 7. Lis ça pour nous, mon frère. À vous, lis ça pour nous. Je vais vous laisser prier pendant longtemps. Hein? Vous allez prier. Mais quand on dit de prier, là, il faut prier. Amen. Il ne faut pas t'asseoir là. Je vais voir le frère. Non, il attend. Non, il faut prier. Ton problème sera réglé même avant de voir le frère. Amen. C'est pas moi qui règle, c'est le Seigneur qui règle. Amen. Quand tu es au pied du Seigneur, confie tes problèmes. Invoque-le. Amen. Car celui qui me croira sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Invoquer veut dire appeler Dieu à notre aide par la prière. Amen. Invoquer veut dire appeler Dieu à notre aide par la prière. Amen. Seigneur, sauve-moi. Pierre a dit sauveur. Quand il a dit, immédiatement le Seigneur l'a sauvé. Alléluia. Si toi tu cries, Seigneur sauve-moi, il va te sauver maintenant. Il ne va pas attendre. Il est merveilleux. Hein? Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Il est merveilleux notre Seigneur. Il ne fait pas de remarques. Moi, Isaac, mon fils à vous, et puis il va dire à vous, mais je t'ai donné des conseils, tu ne vas pas goûter. Pendant que je donne des conseils à vous, qu'est-ce qu'il fait? Il se noie. Et il dit, Seigneur, sauve-moi. Immédiatement, il l'a sauvé d'abord. Amen. Seigneur, il règle son problème d'abord. Amen. Et puis ensuite, il nous tire les oreilles. Alléluia. Il n'est pas merveilleux? Amen. N'est-il pas? Non, on arrête. Ah, écoutez, c'est ma faute, c'est pas. J'ai mal entendu, c'est la cacophonie. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas? Voilà, ça c'est bon. Merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre maître invisible. Aux humains, mais présent pour tous les siens,
Oui, Jésus est tout par merveilleux. Il est merveilleux. Il est invisible aux humains. Est-ce que vous comprenez un peu? Les hommes du monde ne peuvent pas le voir. Mais présent pour. C'est tout? Présent pour. Reprends. Invisible aux humains. Mais présent pour tous les siens. Tout! Amen! Il ne faut pas enlever tout. Hein. Il est présent pour tous les siens. Amen. Et toi, là, ma soeur, Jésus est présent dans ta maison. Amen. Il est présent dans ton cœur. Il est présent dans ton problème. Amen. Tu vas être seul à la justice. Dis, bon, toi, tu vas voir. Mais il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur a dit, il ne faut pas chercher ce que tu vas dire à la justice. Là. Laisse-toi à Dieu. Quand tu vas arriver là, le Saint-Esprit va parler à ta place. Amen. J'ai paraphrasé. Hein? C'est la paraphrase en français. Il a dit que il ne faut pas chercher. Ah, ils m'ont convoqué. Qu'est-ce que je vais dire? Tu n'as pas bien ça. Dors tranquillement. Prie. Jeûne. Quand tu vas arriver à la parole, Dieu va parler à travers toi. Amen. Amen. Il est invisible aux humains. Il a dit que ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais présent pour tous les siens. Jésus est présent pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Il est présent. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors nous continuons. Psaume 2, oui. Verset 7. Ouais. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. J'ai publié le décret de Dieu. Amen. Prêcher la parole, c'est publier le décret de Dieu. Amen. Amen. Tu es mon fils. Et il s'agit de Jésus lui-même. Mais nous aussi, nous devons pouvoir nous approprier ces paroles-là. Amen. Que Dieu te dit à toi, mon frère, mon soeur, tu es mon fils. Amen. L'engendrement spirituel est très important. Quand tu passes à la nouvelle naissance, quand tu saches que tu es né de nouveau, Amen. Tu n'es plus la même personne. Que ton cœur soit dégagé, que tu puisses dire, vraiment Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu m'as engendré. Amen. Et Jésus-Christ est notre aîné, notre fils aîné. Et nous sommes appelés à être rendus semblables à l'image de Jésus-Christ, notre aîné. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous repartons dans... de l'homme, c'est la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Par Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 14. C'est important pour nous d'écouter bien, mes soeurs. À la maison, prenez du temps. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Deutéronome. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Amen. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Amen. Maintenant, le verset 27. Pourquoi nous devons laver nos robes? Pourquoi? Verset 15. Non, le verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Ouais. Il n'entrera chez celle rien de souillé. Arrête-toi là. Tu as compris? Si tu ne te laisses pas laver par le Seigneur, tu ne peux pas entrer. Tu peux construire l'église toi seul. Donner tout ton argent comme dîme. Dieu ne regarde pas aux holocaustes, il regarde à l'obéissance. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas de la théorie irradée. Dis au Seigneur, mon cœur est souillé. Je convoite encore. Je vole encore, je mens encore. J'ai fait palabre à la maison à ma femme. J'insulte encore. Il y en a qui insultent. Ah, ils insultent leurs enfants. Frère Isaac, c'est ça. Non. La Bible n'a pas dit d'insulter les enfants. Elle a dit de les éduquer en les corrigeant avec un bâton. Amen. Un bâton d'enfant. Amen. Oui. Amen. Amen. On n'insulte pas les enfants. Tu insultes les enfants, tu vas leur apprendre à insulter. Ils vont devenir insulteurs. Oh, les insulteurs n'ont pas de place au ciel.
Les insulteurs là, vous qui insultez encore, et regarde sa tête, et tout ça, non, c'est qui a fait, cet homme, il est comme ça, tata, mais tu insultes Dieu? Pourquoi tu insultes Dieu? Pourquoi celui qui insulte les hommes, il insulte Dieu? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Quelle que soit la forme de sa tête, c'est Dieu qui l'a créé. Qui es-tu pour pouvoir l'insulter? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ton enfant a fait une bêtise, on prend le bâton, on le chicote. On le chicote. C'est ça. Mais on n'insulte pas. Quels sont les mecs qui ont compris ça? On n'insulte pas, on ne maudit pas, on ne dit pas des imprécations. Si ce n'est pas toi, ce n'est pas mon nom, et puis tu veux faire ça là, tu maudis l'enfant. Jamais. L'enfant, on le prend, il fait des bêtises graves. Mais tu le prends sur ta patine, c'est mon fils. Amen. Eh, les soeurs, vous ne pas dire amen. Elle fait exactement des choses trop compliquées. C'est sa vérité. Mais nous, là, on serait déjà mort. Qui est d'accord? Qui n'a jamais fait de péché ici, si, parmi les soeurs? Si au premier péché, Dieu avait voulu, il nous aurait tués. C'est fini. C'est pas vrai pour vous aussi? Moi, c'est vrai pour moi. Quand je vois mon fils faire des choses, je me rappelle ce que j'ai fait moi-même. Il dit, Seigneur, délivre-le parce que tu m'as délivré. Amen. C'est ma prière. Amen. Tu m'as délivré, délivre-le. Moi, j'ai fait des choses. À la nuit, ce n'est pas le même temps. Je vais vous donner un exemple que je vous ai fait. Mais par la grâce de Dieu, très tôt, il m'a délivré. Amen. À l'âge de 24 ans, quand c'était terminé. Amen. Pas de femmes, pas de boissons, pas de... c'est fini. Amen. Et j'ai commencé à prêcher la parole. Je vous dis une chose. On arrive dans un village. Un village riverain du fleuve Komwe, à Monga. Je suis allé à mon père, il est évangéliste. On nous a affectés là-bas. Je suis allé sauver lui. Qui écoute? Alors, je suis allé au bord. Mon frère, mon père était à la maison. À la mission, était à la mission. Et puis moi, je suis allé me promener. Je vois les gens qui pêchent. Des gens du village qui pêchent avec des pirogues. Le fleuve Komwe était en pleine crue. Les arbres, la fine des arbres, là, tombent dans l'eau. Et puis, j'ai vu les gens pêcher avec des pirogues. Ils viennent du village de Kodoussou. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et puis, j'ai regardé. J'ai détaché une pirogue. Je vous dis, c'est devant Dieu. Quand il voit ça, il dit, mon frère, mon fils, il ne fait rien. Mais s'il lui dit ça, il dit, tu as fait pire que moi. J'ai détaché la pirogue, j'ai commencé à pêcher. Il ne s'est pas pêché. Il ne s'est même pas pagayé. La rivière là, Komwe, ceux qui sont à l'épée, vous savez, on a vécu là-bas. La rivière a pris toute la forêt, les gros arbres là. On leur tête là dans l'eau. Et moi, j'étais en train de pêcher. J'ai pêché. Je vois les jeunes enfants, ils avaient peut-être 8 ou 7 ans comme ça. J'étais en train de pêcher. Et puis, je remarque que je ne vois plus les cases. Donc, on va dans un autre village. Qui est d'un grand con ici? Lève-toi. Au lac, c'est ça, hein? Au lac de main. J'ai lié à au lac de main maintenant. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et puis, je prends la pagaie. Je ne sais pas pagayer. J'ai comme bouc, bouc, et puis ça me tourne. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur maintenant. Oh non, Dieu est bon, hein? J'ai peur maintenant. Et puis je vois là-bas un tourbillon. Toi, tu sais ce que c'est? Donc, un tourbillon dans l'eau là. Donc, je suis en train de. L'eau devait m'envoyer là-bas pour me tuer. Quand je vois ça, je ne peux pas tuer mon fils. Hein? Je ne peux pas. Amen. Si je suis honnête. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Quoi qu'il ait fait. Et puis, je vois un monsieur qui vient. Ils ont des petites pirogues. Les pêcheurs, attends, tu connais ça? Une petite pirogue, c'est pour lui seul. Il vient, viens, cours. Il a bien nagé, moi je ne voyais pas, hein. J'avais peur, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il est venu, il a accroché sa pirogue à ma pirogue, il est monté dedans. Maintenant, c'est maintenant, il tremble. Je tremble. Il dit, reste tranquille maintenant. J'ai tapé des bords là comme ça. Parents, soyons indulgents parce que Dieu a été indulgent avec nous. Amen.
Je n'ai pas dit de laisser les enfants fourrir, non. Il faut les corriger, mais elle mieux. Et puis, il est monté dedans, il a attaché sa petite fille. Il dit, tu vois ce qui ne s'est pas dit. Il dit, je vois, tu allais tomber dedans et puis mourir. Quand elle tombe, la pire, on fait comme ça. C'est fini, hein? Il ne sait pas nager, c'est rien, 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 rien. On aura accusé les villageois pour rien. L'évangile est venu, ils ont tué son fils. Alors que c'est moi-même. Et puis il m'a amené, il dit, bon, je ne vais pas le dire à ton père, sinon on va te frapper. Il dit, merci monsieur. Mais je me vois dans l'eau. Quand il vous parle, je me vois dans l'eau. Ça, c'est en 1956. Hein? 1956. Je vois actuellement exactement ce qui s'est passé. Je vois quand j'étais dans la tête, je vois. Alors mon fils, il va faire une bêtise. Je le gronde. Mais je ne veux pas le haïr. Je ne veux pas le haïr. Hein? Dieu me rappelle ce que moi j'ai fait. Amen. Je vais à la maison. Mon père m'appelle papa. Papa, tu viens d'ici, j'allais m'amuser un peu. Papa serait mort si Dieu n'avait pas envoyé un ange. Aujourd'hui, je reconnais que le Seigneur, la grâce de Dieu doit devenir une expérience dans la vie de chacun. C'était la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. Dieu voulait me tuer, il ne voulait pas me faire mourir. Voilà. 1956, mon père n'a jamais su. Je lui ai jamais dit ça. Il était très dur, il avait écouté ce. Alors quand mon fils fait des bêtises, il dit, ah, c'est pas bon. Mais il faut toujours mettre un bémol. Tu es heureux. Amen. Dieu a fait des grandes choses pour toi et pour moi. Amen. Il ne faut pas tuer nos enfants. Amen. Tu cherches ton enfant, le diable le récupère. Au contraire, si l'enfant est sorti, il n'est pas venu, on prie jusqu'à matin. S'il viole, il dit, va là où tu étais, va là-bas. Non. Oh, le diable attend pour le prendre. Lui, il attend pour le récupérer. Il faut récupérer ton fils. Amen. Je vous ai demandé d'écouter un message du frère Branham qui est intitulé Possédant toutes choses. Amen. Allez écouter le message qui dit Possédant toutes choses. Dans ce message, il dit, nous revendiquons nos enfants. Amen. Lui-même, le frère Branham. Oui. Sa fille, Rebecca, elle venait et puis elle marchait dessus. Quand il prêche, elle est là-bas au fond de l'église, et puis elle marche du gomme. Et puis après, elle sort, elle s'en va. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors qu'il priait, les morts ressuscitaient, même les animaux qui étaient morts ressuscitaient. Mais lui, il pouvait faire. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de prier. Amen. Ce que tu pouvais faire, maman, c'est de prier. Papa, c'est de prier. Amen. Prends du temps, jeûne, prie pour tes enfants. Amen. Et Dieu va le faire grâce quand il t'a fait grâce. Amen. Dieu fait grâce encore. Amen. Nous lavons le vêtement, mais par contre, il n'y a rien de souillé qui va entrer là-bas. Amen. 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 Mon frère Yapo, Dieu te bénisse. Heureux de te voir. Dieu te bénisse souvent. Je n'ai pas fini, hein? Je n'ai pas fini. Tout ce que je me dois de vous donner, je dois vous donner. Amen. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Amen. Oui. Donc ne tuez pas vos enfants. Amen. Les informés, voyez. Toi, tu n'es pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Ma mère m'a raconté une histoire sur les enfants. Une femme dans son village de Kosanji, son enfant était un enfant récalcitrant. Le village n'était pas... Qui connaît Kosanji? Non, ce n'est pas ce village que vous connaissez. C'était un petit village au bord de l'eau. Moi, je connais ça chez moi, donc il connaît. Alors, les femmes sont revenues de la rivière et disent, ah, c'est l'enfant de qui? Il est en train de mourir, il est en train de se noyer. Et puis la femme a dit, oh, si c'était un cas, c'est bon. Il est trop têtu. On lui parle, il ne comprend pas. Si c'était lui, c'était bon. Et puis quelqu'un a dit, Aka, Aka est mort, Aka est mort. Et puis elle dit, elle commence à pleurer. Mais si était là, je la giflais. Je la giflais. Aka est mort, c'est lui. Une femme est venue ici, j'étais assis avec frère Badi, frère Mathias. Elle est venue ici, elle dit, bon, ma fille est une chrétienne,
elle a fait un enfant avec un païen. Je ne veux pas avoir l'enfant. Il dit, je ne veux pas avoir l'enfant. J'ai attendu qu'elle a fini. Elle dit, quand j'ai parlé comme ça, l'enfant est mort le lendemain. Elle dit, sœur, tu es une sorcière, c'est toi qui l'as tué. Je ne sais pas qui elle est là, si elle me voit, mais moi je l'ai connu. Tu es une sorcière, c'est toi qui l'as tué. Elle était venue ici. Tu as tué l'enfant. Tu ne sais pas que les paroles ont des fruits. Qui sait ça? C'est quand on dit qu'on a produit des fruits. Mais nous devons produire des bons fruits. Pas la malédiction. Alors, verset 27, on continue. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Tu as bien compris. Si tu veux aller à l'enlèvement, laisse-toi dépouiller de toute souillure, de la chair et de l'esprit. De Corinthiens chapitre 7, achevant notre sanctification, en nous dépouillant de la chair, l'esprit et de la chair. Amen. C'est quoi? Quand tu regardes les mauvais films, les gens, ils mettent des, vous voyez, ils mettent des femmes nues à longueur des de trottoirs. Le premier regard n'est pas fautif. Par contre, tu ne veux pas marcher les yeux fermés. Mais si tu te retournes pour regarder, tu as péché. Le frère Brandy dit, le diable déshabille les femmes dans les rues. Toi, homme de Dieu, détourne ta tête. Amen. Aujourd'hui, il y a les hommes qui portent n'importe quoi. Si tu vas voir ça, c'est détourne ta tête. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu. Donc, ceux qui se souillent à l'abomination et au mensonge, ils ne pouvaient pas entrer. Parce qu'il n'y a pas de mensonge là. Hein. Il n'y a pas de mensonge là. Continue. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ce livre a été écrit quand? Dès avant la fondation. C'est quoi que les gens disent? Écris mon nom. Ils disent non, c'est pas vrai. Si ton nom n'est pas encore écrit, il ne sera jamais écrit. Tous les noms ont été déjà écrits dès avant la fondation. C'est quoi, on est là? Amen. Et rien ne nous décourage. Un jour, on fermait ce temple. Hein? On fermait un temple. Mais si on reste à la maison, on sera toujours dans la foi. Amen. Amen. Rien ne viendra pour nous gouverner. Amen. Amen. Verset 15. Apocalypse 21, verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure... Non, va. 22, 22, 15. Apocalypse 22, verset 15. Dehors, les chiens. Dehors, les chiens. Amen. Amen. Les chiens, c'est qui? Non, je veux que ça me parle. Tu es autorisé, tu ne prêches pas. Hein, mais... Ici, autorité, je te donne le... Qu'est-ce que la Bible appelle les chiens? Ce n'est pas les animaux. Hein? Les animaux ne viendront même pas dans le royaume. Écoutez, les sœurs. Qu'est-ce que la Bible appelle les chiens? Les chiens, c'est ceux qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont abandonné le péché, qui sont retournés encore dans le péché. Il y en a. Quand on voit un frère, c'est mon ami d'enfance. Et puis on est allé au village, pas que nous là. Vraiment, on était liés, quand on est tombé dans le péché. Non, il ne faut pas. J'ai dit, il ne faut plus venir me raconter des choses comme ça. Qui a compris? Ça, la garde ça pour toi. Si tu dis, frère, prie pour moi, je suis malade, oui. Mais ta histoire de pas que nous, tu es tombé dans le péché, là. Faut pas, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus entendre ça. Dieu peut te délivrer. Mais toi, tu ne veux pas. Qui a compris? Toi, tu ne veux pas. Tu aimes encore le péché. Oh, Dieu n'est pas le diable. Le diable, il fonce. Mais Dieu demande ton accord. Amen. Hey, frère, je te vois. Hey, il fait tout et puis, il ne sait pas comment on met. Tu sais tout. Comme ce que tu fais, tu sais. Tu es conscient, Dieu t'a créé avec la conscience. Et c'est que tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Pourquoi tu ne manges pas n'importe quoi? Pourquoi tu ne manges pas n'importe quoi? On fait un bon repas et puis toi, tu prends les peaux de bananes là. Écoutez, qui comprend ce que j'en ai dit? Qui écoute? Hé, frère, je ne sais même pas comment j'ai fait vivre. Moi, je suis tombé à cet homme. Tu es une menteuse. Tu as programmé ce péché. Pourquoi, quand on fait la cuisine, là, toi, tu ne vas pas prendre
les peaux de banane, les peaux de manioc pour manger. Si tu es si bête. Si tu es si bête comme un mouton. Frère, tu sais, tu aimes la chose, mais Dieu ne peut pas t'enlever ce que tu aimes. Qui a compris? Mais si tu es dérangé par ton péché, amen, tu souffres en le faisant, tu es devenu esclave, Dieu va te délivrer. Amen. Dieu, ce n'est pas le diable. Le diable bouscule tout le monde, il vient et puis il fait ce qu'il veut. Mais le Seigneur, il demande ton accord. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et, écoutez-moi, sœur. Est-ce que le Seigneur ne peut pas entrer chez toi sans frapper? Si. Mais il te respecte. Amen. Il sait que quelqu'un est dedans. Amen. Et puis cette porte-là, la serrure n'est qu'à l'intérieur. Amen. C'est toi seul qui peux l'ouvrir. Il demande ton avis. Est-ce qu'il peut venir chez toi? Et puis il passe, et puis il frappe. Quelqu'un dit, ah Seigneur, entre chez moi. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne va pas t'effacer. Hein? Oh, j'ai un petit cousin, un petit neveu. Un petit neveu âgé. Hein? Un jour, je lui ai parlé du message. Il est allé, il voulait aller chez au 220. Il dit, c'est pas grave. Tu es un païen, si tu vas au 220, c'est bon. Il allait deux fois, trois fois, quatre fois. Il dit, mais tu ne vas pas? Il dit, non. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ma femme sait de qui il parle. Aujourd'hui, il a chaud. Tout ce qu'il fait échoue. On lui confie un vécu, les gens volent. Oui, oui. Quelqu'un qui a eu le baccalauréat depuis des années. Ses camarades sont devenus des médecins, des professeurs. Il est là, il souffre. Et dans ma prière, il dit, Seigneur, maintenant qu'il a chaud, ajoute aussi le froid. Il a dit, ça ne fait ni chaud ni froid. Quand il aura les deux, il va se procéder devant toi. Amen. Amen. Le Seigneur, ce n'est pas un homme. Hein? Il est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu. Ah, il ne faut pas tomber dans les mains du Dieu. Hein? Il faut implorer sa grâce. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Maintenant, les chiens, ce sont des gens qui, un jour, ils sont repentis, on les a baptisés, et puis même, ils retournent encore dans le péché. Ce sont les chiens. Et ils seront où? Dehors. Qu'est-ce qu'il y a au dehors, mes soeurs? Qu'est-ce qu'il y a au dehors? Et les pleurs. Vous voyez, théoriquement, c'est facile, hein? Mais quand vous serez là, vous allez voir. Vous allez voir que ce n'est pas bien. Il ne faut pas souhaiter l'enfer à son pire ennemi. Amen. Amen. Alors, dehors les chiens, continuons. Les enchanteurs. C'est-à-dire les magiciens. Regardez un peu. Dans les clubs d'enfants, il y a une initiation à la magie. Qui a déjà vu ça? Vous voyez, les gens avec les corps, et puis les enfants sont contents. Arrêtez ça. Amen. Oui, on peut dire, fille, il vient en vacances, et si il regarde, arrête ça. Il y a quelqu'un qui dit, il est là, il a des cornes, et puis c'est lui qui est vainqueur. Il dit, ça, c'est une initiation à la magie. Demain, il va être posé, il ne sait pas comment il a fait. Aujourd'hui, il y a plus en plus d'enfants qui sont sorciers. 7 ans, 6 ans, 5 ans, ce sont les sorciers. Ils viennent pour tuer les parents. On a des témoins? Non, toi, tu es petit là, tu regardes la magie, il fait un petit vol, il est de l'autre côté, et puis il vole. Ça, c'est pas bon pour toi. Il faut regarder les films de Jésus, regarder les films de Jésus. Ça t'instruit. Par contre, le Seigneur t'instruit pour ton bien. Amen. 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 Les débauchés, allons-y. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous savez, soeur, regardez ici, je suis en train de filmer, mais je voudrais quand même aborder notre thème. Hein. On va chanter quand il va aborder le thème. Ça, c'est tellement, ce qu'ils sont dit, c'est tellement important pour nous. Amen. Il y a un mot qui nous paraît bénin. C'est pas le bénin. Hein. Que dit bénin? Oui. Anodin,
anodin. Normal, classique. Non, non. Ça veut dire qu'il nous paraît sans importance. Sans importance. C'est lequel dans le seul phrase? Le mensonge. Le mensonge. Tu le même mal. Mais tu vois, il a l'enfer. Et tu comprends? Moi j'ai mal, il dit, moi j'ai mal. Mais tout le monde, mal, mais tout le monde, il rend l'enfer. Mais comme moi, je ne suis pas tout le monde. Amen. Que Dieu me fasse grâce. Amen. Moi, je ne suis pas tout le monde, je suis un fils de Dieu. Mon Père, il est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Amen. Et l'Église est son corps, il est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Frère Isaac, tu es exagéré. Tout le monde, mal, ça c'est quoi? Hein? On m'a donné de l'argent, je suis allé faire, j'ai acheté et puis le reste là. Il m'a donné plus de, comment on appelle ça? La monnaie qu'il m'a donné, c'est plus que ce qu'il doit avoir. C'est Dieu qui m'a donné? Non. C'est Dieu qui t'a dit de voler? Non. Tu es voleur? Tu es voleur? Va rendre sa monnaie. Amen. Exactement la monnaie. Hey Dieu, merci. J'avais donné l'argent au monsieur, il a donné 500 francs, il m'a fait monnaie 5000 francs. Oh Dieu, merci, tu es bon, hein? Tu n'avais rien à manger, non, tu es un voleur. Il ne faut pas impliquer Dieu dans ton vol. Va lui rendre sa monnaie. Et puis Dieu prendra son devoir. Amen. Hey, frère, tu vas voir, j'étais la fille, j'ai fait la monnaie, vraiment, 500 francs. Il a convenu à 5000 francs, il m'a donné la monnaie. Et puis il dit, oh Dieu, aujourd'hui j'ai mangé. Il faut dire au diable, c'est pas Dieu qui t'a donné, c'est une erreur là-bas. Va rendre sa monnaie. Amen. Zachée a dit, si il a pris de l'argent à quelqu'un, je lui rends combien? Combien de fois? Tu as entendu? 4 fois ce que Dieu a pris. Et puis toi, tu vas aller voler. Et tu es heureux. C'est Dieu qui t'a donné. C'est pas Dieu, hein? C'est du vol. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous allons aller. Tout à l'heure, je vous laisse, vous allez prier pendant longtemps. Amen. Mais non, mon fils qui est là m'a dit un mot derrière. Comment t'appelles? Lève-toi. Ouais, dans ta prière, tu as dit que nous ne voulons plus être esclaves du péché. Amen. Nous ne voulons plus être dominés. Ça, c'est vrai. Amen. Nous avons été affranchis. Amen. Ne faisons pas comme Perrault. Perrault, c'est le frère Branham qui a donné cet exemple, c'est un perroquet qui a été enchaîné pendant des années. Et puis un jour, on l'a libéré. Et puis, on dit, Perrault va. Il dit, non, moi, je suis attaché. Ah, regarde les ailes là, tu n'es plus attaché. Non, moi, je suis attaché. Et puis un jour, une femme l'a tué avec un pilon. Ça fait mal, non? Mais Perrault, étant des ailes, il vole maintenant. Perrault est resté là, on l'a tué. Qui est Perrault ici? Il y a des perros ici? Il n'y en a pas? Amen. Ne restons pas esclaves du péché. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans Deutéronome chapitre 9. Mon frère Conan, donne un cantique. Donne un petit cantique. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas, sa parole sera accomplie. Car il n'est pas. Notre Dieu ne ment pas, sa parole sera. Oh, il ne ment jamais, car. Notre Dieu ne ment pas, sa parole sera. Oui, il ne ment jamais, car Dieu ne ment pas sa parole. Il ne ment jamais, car il n'est pas. Notre Dieu ne ment pas sa parole. Jésus-Christ ne ment jamais, car il n'est pas. Notre Dieu ne ment pas sa parole. Oh, il ne ment jamais. Dieu ne ment pas. Oui, il ne ment jamais, car il n'est pas un homme.
C'est vrai. Amen. Il ne ment pas. Sa parole est certaine et véritable. Amen. Et ce qu'il a résolu, il va l'exécuter pleinement et promptement. Il faut retirer des choses. Amen. Si tu joues avec la parole de Dieu, tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Hein. Tu joues avec ta vie. Nous prenons donc Deutéronome chapitre 9. On va lire au verset 5. Mes bien-aimés sœurs et frères, écoutez bien ce qui va être dit. Nous avons vu comment nous allons nous laisser sanctifier pour entrer dans le ciel. Nous asseoir sur le trône du Seigneur. Et il va le faire. Amen. Mais ici, comme il est le exemple de Perrault, nous ne sommes plus esclaves du diable. Amen. Dieu nous a fait des promesses. Et toutes ces promesses doivent s'accomplir. Amen. Regardez ici, par exemple, le verset, à partir du verset 5. Lisez ce passage là sur vous. Amen. Amen. Continuons. Allons-y. Deutéronome 9, verset 5. Non. À partir du verset 1. Premier. Écoute, Israël. Écoute, Église d'Abidjan. Amen. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Toi qui dors, relève-toi. Amen. Lève-toi, ouvre les yeux. Amen. Redresse-toi. Et puis écoute ce que Dieu dit à ses enfants. Amen. Écoute. Écoute. Continuons. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Le Jourdain, c'est la frontière. Pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais dans ce pays, il y a beaucoup d'obstacles. Mais quand Dieu a dit que tu passerais, Dieu fera en sorte que vous puissiez passer. Amen. Dieu nous a dit que je vais vous préparer une place. Il va nous chercher. Il va le faire. Amen. Il va exécuter ces paroles-là pleinement et promptement. Il viendra nous chercher, nous allons partir. Amen. Peu importe tous les démons qui sont sur la route. Dieu va s'en charger. Amen. Dieu va s'en charger. Il connaît les démons, pourtant il a dit, non, parti. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Et il est venu. Il est venu, il nous a sauvés. Amen. 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 Continuons alors. Tu vas? Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Pas demain, pas après demain, pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui. Chacun doit passer son journée aujourd'hui. Amen. Nous devons passer de l'esclavage de Satan à la félicité aujourd'hui. Amen. À l'amour de Dieu. Amen. C'est aujourd'hui que... Continuons. Pour te rendre maître. Pour le nom? Maître. Ça veut dire quoi? Yahobi, ça veut dire quoi? Pour te rendre maître. Maître, c'est quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Vous avez compris? Vous avez compris ce qu'il a dit? Non. Un maître, c'est quelqu'un qui connaît. Oui, mais ça ne suffit pas. Qui est au-dessus, qui conduit. Bon, donne le micro à CK, c'est un maître. CK, Francis, lève-toi. Toi, comment on t'appelait? Maître CK. Voilà. Il a été plusieurs fois champion de taekwondo. Qui c'est ça? Mais Dieu rassemble son peuple. Quand on dit voilà un maître, ça veut dire quoi? J'ai la maîtrise des arts martiaux. Je domine sur tous mes adversaires. Oui, tu comprends maintenant. Je suis plus fort que mes adversaires. Amen. Amen. Nous faisons de Dieu un menteur, frère, ça me fait très mal au cœur. Et les promesses tardent.
On est assis là, il y a des malades. Et puis on est là, ouais, Seigneur. Non. On n'a pas passé le jour pour venir être dominé par le péché. Non. On a un maître, il y a des plus de femmes dans le pays étranger. Quand c'est quand tu vas dans les pays étrangers là, est-ce que tu es plus gros que les autres? Réalise sa forme, hein. Bon, lorsque nous sommes allés en Espagne en 87, en quelle année? En 87, ouais. Au championnat du monde taekwondo en Espagne, il y avait 105 pays. Et chaque pays que vous croisez le champion de ce pays-là. Ouais. En Égypte, en 89, là c'était la Coupe du monde de taekwondo, il y avait les 23 meilleurs pays du monde. Vous croisez le champion de chaque pays. Et la compétition, c'est toute la journée, la finale, c'est la nuit. C'est un coup KO. Ah, mais et toi, tu as mis au KO, mais tu as mis au KO. Bon, en Espagne, j'étais le meilleur combattant africain en Espagne. Bon, en Égypte, j'ai pris un coup. Dieu soit béni. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas pour présenter ces cas, non. Moi, je connais mon fils. Mais c'est pour montrer que nous, on fait de Dieu un menteur. Un petit démon arrive, on est tiré à ces gens. Qui comprend ce qu'on a dit? Un petit démon, le plus petit démon, que c'est le dernier des démons. On dit, va, mais celui-là, il était fait, va le tracer. Puis on vient, on est à terre. Oh, toi, tu es fou. Nous étions quelque part, mais Dieu nous avait passé le Jourdain. Amen. Pour devenir maître. Qui comprend ça, mes soeurs? Pour dominer tout. Amen. Pour dominer. Maintenant, si vous ne croyez pas que ces paroles sont certaines et véritables, elles ne vous seront pas révélées. Vous n'allez pas comprendre la force qui est dedans à sa part, vous atteindre. On a appris que des gendarmes étaient là, puis étaient là, et puis l'ennemi est venu les désarmer. Écoutez ici. Je parle aux policiers. On a appris que jour, il était là, et puis les ennemis viennent, il les désarme. C'est honteux. C'est honteux pour nous. Qu'un petit démon vient et puis bon, on est désarmé. C'est pas vrai. Amen. On doit être maître. Amen. C'est lui qui nous rend maître. Amen. C'est pas nous, hein. C'est pas nous. Si nous acceptons, il nous rend maître. Amen. Maître de tout. Amen. Nous ne laissons plus dominer par... Le Seigneur a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, c'est que, si Dieu l'a dit, c'est que tu peux. Amen. Qui est d'accord? Si Dieu a dit, tu peux. Amen. Comment seulement, et puis il va te donner la force. Amen. Dieu dit, il ne dit pas les choses impossibles. Hein? Domine, regardez, qui est allé à la chasse avec un chien? Qui est allé chasser avec un chien? Qui est allé chasser avec un chien un jour? Il n'y a pas beaucoup de chasseurs ici. Hein? Vous savez, je dirais, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire une chose. Hein? Peut-être que vous pensez que je prends des exemples, que ça doit vous aider. Amen. Et puis le chien se trouve devant un porc-épic. Le porc-épic, il a des flèches, il a des piquants. Et puis, lève-toi, viens ici. C'est un exemple. Moi, on est là comme ça, là, si, et il est net. Chez nous, au village, il y a trop de démons. Mais les démons sont là, pourquoi tu dois mettre ces démons? Amen. Mais qu'est-ce que tu vas raconter s'il n'y a pas de démons chez toi? Tu vas raconter l'expérience des autres. Quand les cailloux tombaient dans ma maison, si j'avais fui, je ne pouvais pas vous parler de ça aujourd'hui. Dieu m'a fait rester. Aujourd'hui, l'église Gagnois est née. Si quelqu'un vient de Gagnois, c'est parce que les cailloux sont tombés. Et Dieu nous a permis de rester là jusqu'à ce que la victoire soit totale. Amen. Si j'avais fui, je ne pouvais plus prêcher. Par contre, le moindre petit démon allait me faire fuir. Frère Franck a dit, il a tellement fait d'expérience. Chacun doit faire des expériences. Amen. Et toi, tu ne fais rien, aucune expérience.
Aucune expérience. Les démons viennent pour que tu puisses les chasser et que toi tu sais, ah, c'était dur, mais la victoire est totale. Amen. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Qui a dit ça? C'est moi? C'est Dieu. Amen. Toi, tu n'as qu'à résister. Amen. C'est pas toi que. Toi, tu résistes et puis lui, il va fuir. Amen. Amen. Alors, vas-y avec ton chien en question. Bon, il faut dire que avec quand on chasse avec les chiens, le chien se trouve aussi sous la pression du maître. Son parle, maître. Parle bien, il faut parler français, doucement, doucement, petit français. C'est le maître qui motive le chien. Non, motive, c'est trop grand. Qui l'encourage. Voilà. Ça, c'est bon pour nous. Nous, on comprend ça. Donc, le maître encourage le chien. Et face à un animal tel que les porc-épics, ouais, le chien trouve la stratégie. Et la manière. Le porc-épic vient avec ses piquants comme ça. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu dis? On dit au chien de foncer. Non, mais parle au chien. Parle au chien. On dit attaque. 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 Médo, vas-y. Quand on a dit Médo, on a dit on l'a stimulé. Amen. Il bondit sur le porc-épic et puis il est à terre. C'est ce que Dieu fait pour nous. Amen. Qui a bien compris? Amen. Il vous donne le pouvoir. On a tout le pouvoir, on est assis. Et puis un petit demande, quand toi tu vois rien. Et puis on pleure. Moi, le pouvoir que vous avez, c'est pas fort. Vous n'avez pas fort? C'est la parole de Dieu. On lui met deux, attaque-le. Et il bondit sur le porc et puis sans voir les. Et puis le porc est à terre. Quand il est à terre, il égorge. Hein? C'est ça le combat spirituel. Amen. Ah, quand on charge les démons, il y en a qui vous menacent. Frère Mathieu n'est pas là, il y a un démon. Il nous a dit, je vais vous tuer un à un. Il a dit, mon cher ami, tu ne pourras pas. Amen. Et puis c'est merde. Je ne pourrais pas. Lui, c'est le même démon. Il dit, il ne pourrait pas. Il dit, pourquoi? Il dit, mais le sang de Jésus est sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Frère Badi vous a dit, cette femme qui était possédée, où le mouton est sorti, là. Qui était là? Un mouton. Non, c'était dur. On ne fait pas ça quand tout le monde est en tête d'eux. Et quand on a chassé, un mouton est sorti de la salle. Amen. Et puis quelqu'un l'a vu. Mais on donnait tous les pouvoirs. Et tu pleures sur les pouvoirs. Le pouvoir se prend. Amen. 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 Qui a bien compris? Soyons des hommes. Soyons des hommes. On va rencontrer des difficultés, hein, mais prenons les prérogatives que Dieu nous a données. Amen. Il nous a donné, pas je vous donne, mais je vous ai donné. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc nous sommes ici pour être des maîtres. C'est-à-dire qu'on ne va pas pleurer devant des petits démons. Non, 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 non. Non, on est là. Un démon arrive, donc, sort. Il doit obéir. Amen. Tu vas dans ta chambre, tu es là, et puis la chambre devient bizarre, les lampes s'éteignent, tout ça. Il ne faut pas courir. Redresse-toi. Amen. Dis Satan, voilà pour sort. Amen. Il va obéir. Amen. Il va obéir. Mais quel témoignage tu dois avoir? Tu vas appeler Frère Badi, son téléphone est fermé. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, continuons. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Qui a bien compris? Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tout ce qui a dormi sur toi, dormit sur ça. Demise tout. Ma soeur, toi tu étais arrogante à ton mari. Tu ne peux pas te soumettre. Hé, laisse-moi. Laisse-moi. C'est fini. Il va te parler. Ah chérie, j'ai compris. Si tu es mauvais, on va prier. Amen. Tu commences à devenir maître. Amen. Tu ne pouvais pas te maîtriser sur ton émotion. Quand ça vient, tu es prête à donner la réplique. Dis. Quand il va apprendre ce que je lui ai dit là, il ne va plus me parler. Hein.
Moi, je vais toujours des espères. Aujourd'hui, je vais te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Tu vas cracher du feu. Mais si tu craques du feu, tu es un dragon. Tu as un mauvais esprit. Que votre douceur soit connue de tous. C'est la douceur, c'est l'amour. Amen. On a compris? Alors, mes bien-aimés, chacun de soi, chacun de nous va rentrer chez lui, maître. Si ton mari n'est pas converti, c'est en voyant la puissance de l'esprit en toi, il va se convertir. Amen. Ah oui, oui. Il va voir que sa femme a été transformée, elle est devenue douce, aimable. Aimable. Et lui aussi, il va dire, mais chérie, tu vas, je vais t'accompagner le mercredi. Amen. Ou le dimanche. Amen. Il sera gagné. Et la Bible dit que si quelques-uns d'entre vous, leurs maris ne sont pas convertis, ils seront par leur conduite chaste et réservée. Il ne faut pas trop parler, mais il faut beaucoup agir. Amen. Les soeurs ne doivent pas pinailler. Parler. Non. Priez beaucoup, jeûnez beaucoup. Amen. Amen. Continuons. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Tout ça, ce sont les puissances sataniques. Nous sommes confrontés à ça. Hein? On est confrontés aux puissances sataniques. Et nous devons prendre la puissance de Dieu avec nous. Amen. Dieu a dit, nous serons maîtres. Et non des gens qui seront maîtrisés, mais nous serons des maîtres. Amen. Amen. Continuons. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak. Ah. Et sont ceux-là qui ont, à Kadesh Barnea, qui ont effrayé les dix espions. Et Josué, qui leur a dit, mais si ils sont des fils d'Anak, on va triompher d'eux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit. Amen. Parce que sa parole est certaine et véritable. Amen. Si Dieu l'a dit, nous allons triompher les fils d'Anak. Mais s'ils sont géants, amen, comme le chien. Son maître dit, attaque-le, Bédor. Il bondit et il tira sur le porc-épic. Alléluia. Amen. Faisons ça, frère. Amen. Continuons. Que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus nous a sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois te mettre? Parce que sache que ton Dieu lui-même. Alléluia. Qui est d'accord? Amen. Tout à l'heure, on va prier pour les gens qui sont venus avec des problèmes. Tout à l'heure, on va le faire. Mais sachez, vous qui êtes venus avec des problèmes, sachez que notre Dieu lui-même marchera devant nous. Ce n'est pas nous, c'est lui qui va agir. Amen. Mais acceptez par la foi. Alléluia. Alléluia. Sache, aujourd'hui, quand il lit ce passage. Verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Oh, ben, qui a compris? Amen. Qui est malade, qui est venu pour compris pour lui? Qui est malade qui est venu, on prie pour lui. Oui, mon frère Benoît, on prie pour toi tout le temps. Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Les gens qui sont venus, où est Conan? Où est ta soeur? Où est-elle? C'est toi? C'est toi? Ça va? Et ça va? Ça va pas? On va prier pour toi encore. Mais sache que le Dieu que nous adorons, c'est un feu dévorant. Mais il faut accepter. Il faut accepter. La dernière fois, la lourdeur était partie. Mais quand tu es reparti,
Tu as laissé ça, oui, tu as commencé à avoir des problèmes. C'est pas vrai? Et c'est pas vrai. Elle dit quoi? Hein? Elle n'a pas laissé. Tu n'as pas laissé. Donc aujourd'hui, ce que tu as senti la dernière fois, c'était, tu étais léger, tout est parti. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Tu dois être délivré. Amen. On va prier pour tout à l'heure. Il ne faut pas m'entendre d'aller me voir seul. On va prier pour tous ces cas-là, tout de suite. Amen. Les gens qui sont posés. Notre Dieu marchera devant nous comme un feu devant. Amen. Tu comprends français, non? Il va dévorer tous tes problèmes. Amen. Faut accepter cela. Amen. Continuons. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous tenir debout. Pour ceux qui... J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.